Le mot autisme caractérise le comportement d'un enfant qui est incapable de communiquer avec les autres, même avec ses parents. L'enfant autistique vit enfermé dans son monde. Par exemple, même s'il n'est pas sourd, il semble parfois ne pas entendre ce qu'on lui dit et n'apprendra souvent jamais à parler. Plus tard, les parents se souviendront peut-être que leur enfant ne souriait pratiquement jamais et qu'il ne montrait pas le désir qu'on le prenne dans les bras. Depuis que cette maladie rare a été décrite pour la première fois en 1943, elle a fait l'objet de multiples théories. On sait aujourd'hui qu'elle n'est pas due au comportement des parents ni à des facteurs d'environnement. Le diagnostic est généralement impossible à poser tant qu'on ne se rend pas compte que l'enfant ne sait pas parler à l'âge habituel. Les parents auront alors déjà probablement remarqué que leur enfant est coupé de la réalité et qu'il passe des heures à jouer tout seul. Très souvent, il adoptera des comportements rituels, par exemple toucher certains objets dans un ordre bien défini ou se balancer des heures durant. Dérangé, il fera parfois de violentes colères. Ce comportement montre que l'enfant a besoin d'un environnement qui ne change jamais. Certains enfants autistiques ont une sensibilité particulière. Vous les verrez par exemple observer attentivement le mouvement de leurs mains ou frotter longuement une surface. Les symptômes courants ⁇ trouble de la parole, repli sur soi-même, anomalie de l'audition, refus du contact visuel, comportement répétitif, indifférence à